Mais en fin de compte, dernière décision, c'est nous qui prenons. Moi, j'ai dit tout le monde ça déjà depuis décembre, moi, je suis dans le pays. Moi, j'ai dit c'est là, on a privé. Si nous ne prenons pas nous comme peuple, et si nous ne faisons pas une révolution réelle pour changer la structure de l'État. Toujours, on a essayé, mais des petits bagages, patcher, sous-même, structure de l'État, ça, nous ne pouvons jamais arriver aucun côté. Pas seulement. Donc, pas de monde qui a dit ça, dès le départ, moi, j'ai dit, si nous ne prenons même comme peuple, si nous ne faisons pas une révolution, ça, nous prenons pouvoir ça. Pour nous changer la structure de l'État, ça, mais ça a privé, mais côté de nous aller. Ou après que l'insécurité que nous avons vu aujourd'hui, que moi, tout le monde a parlé de l'IA, ce n'est pas fabriqué, totalement fabriqué, contrôlé par grand ambassadeur. D'ailleurs, ambassadeur américain, qui dit ça dernièrement, que l'on peut parler à tout le monde qui nous a mis dans le pays. En attendant, chaque fois qu'on a un problème en Haïti, États-Unis peut se prendre contrôle, lui fait volume de sécurité. Je dis à comme Trump président, et Trump dit que il pourrait révoquer 100 000 monde dans le poste et dans le job gouvernement fédéral. Et lui reconnaît que l'ambassade des États-Unis dans l'autre pays fait un pile des autres sous ce pays et attaquer tout le monde que vous parlez en ligne que vous prenez. C'est ça, président Trump. On a fait un pile des ordres en Haïti depuis 1994. Faut des corrections faites. Donc, quand il y a là, ambassade américaine, qui est sous pouvoir là, il y a un marché pressé pour assurer ou contrôler totalement le pouvoir Haïti. Et c'est fait, je dis là. Je dis après que la famille Lavalas, Akwa Montana, groupe de Boudon, ils mettent tête ensemble, ils prennent pouvoir. Et tout le monde connaît les familles Lavalas prennent pouvoir, comment ils prennent pouvoir. Avant, on a parlé d'élections, de bagailles. Ça, c'est le monde qui a dormi. Famille Laval, ça fait une élection. Même avec mai 2000, la prend 100%, et puis la mettait tout le monde pour faire d'accord. Et puis la c'est même avec mai, il y a préféré encore. C'était mai 2000. C'est habitué, c'est ça fait. Ah bon? Quand on vient de te voler, quand on a l'embarras de la contestation, je prends le net. Et il y a un blanc ou derrière. Que ce qu'on voit, c'est président Trump qui président aujourd'hui là. Pas bien que firme lobby, c'est Washington, c'est le contrôle du département d'État. Donc, nèg la valasse, yo gen kòb nan men yo, yo gen allié yo, yo gen Black Caucus, yo gen équipe de monde fort, yo gen grand famille Clinton, nèg yo a toujours été en contrôle parce qu'on sait de secret, yo pa jam vle pour moun konnen. Donc, moi-même, encore une fois, m'a di peuple a gardé pour loin. Le 20, 21, 22 avril 2024, les plotés imposés, c'est pété ça, yo augmenté volume de sécurité, yo fait monsieur Axam rentre caille par caille dans pèlerin dans la boule dans Petionville. Tout le monde est en moi, il va arriver devant blanc, il dit faut que Kenya vive, faut c'est pété monter. Faut qu'on gouvernement. C'est pété monter. C'est pété monter parce que il y a un problème avec Ariel Henry que le peuple là t'est rechassé. Il dit OK, il va écraser toute caille bois porte pour assurer que en qu'un des autres pas faire les avions à débarquer, pour ne pas faire même ça faire avec Ariel, écraser caille et avoir entendu tirer sur avion. Tout le monde, ouais, ça c'est un menti, c'est bagaille. Non, tirer sur avion, son menti? Non, son bluff, ça son bluff. Tout le monde connaît son bluff, c'est parce que tu as besoin ou a voté ça ou voté hier. Si avion ça retire sur lui, il retire sur lui, t'es bien dans une. Et si on tire sur lui tout, c'est le même qui fait. Là, je m'entends. Ça va bien fait si mon. Non, depuis les États-Unis, si on tire sur lui, depuis les États-Unis, il te dit tirer sur lui. Son bluff lié, bagarre à son coup monté lié. En attendant, il y a besoin de présenter bagarre là-bas. Il y a besoin de venir à confiance pour changer bagarre en maintien de la paix. Il y a un gros bagaille. Il y a tiré son avion, son gros bagaille. Tout le monde a consterné, tout le monde a dit que ça va rien doit faire. Non. Là, on présente le devant. Il y a pas grand monde qui a même osé défendre que le bagarre doit faire. Mais heureusement tout, parce que là, il va passer devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et moi-même, après ça, comme chef de parti en Haïti, m'a écrit délégation russe là, m'a écrit et ambassadeur russe, ambassadeur chinois, pour m'expliquer qui désordre qu'a fait en Haïti, mais qui est-ce qui met insécurité en Haïti. Et m'a pris ça, m'a fait pour demander pour veto. Mettons veto. Nous t'ai dit, c'est la police nationale là pour renforcer, c'est l'armée d'Haïti pour renforcer, c'est de ça. Pour le bar pays à sécurité. 600 millions de dollars américains t'as aidé ou je n'en peux plus. Bien, qui a tout ça besoin, bien formé, bien entraîné, pour faire face à problème ça. Nous avons l'armée d'Haïti qui faire face à problème ça. Mais c'est pas ça, vous voulez. Vous voulez tout le temps pour qu'il y ait contrôle pays à, et pour qu'il y ait contrôle pays à tout, pour non seulement pour qu'il y ait contrôle politique, pour qu'il y ait contrôle militaire. Vous voulez que Kenya vienne faire ça le job là pour vous là. Sénateur, je changer la propre, c'est Kenya pas capable. Je vais mettre en mission, maintien de la paix, cap plus mal. Moi-même, je suis là, je suis en mission onusienne. Je suis venu poster là, avec deux camions, je suis quitté le poster lui, pour mon nom. Après, je dis que je suis venu prendre un.
Yo quitte camion sans monde. On met demandé n'importe monde. Non, yo just lagué camion zam nan konsa. Camion zam yo lagué, pistel. Donc pour yo k'ap vinn créer insécurité pour faire ça à faire. Donc son insécurité planifiée, son insécurité contrôlée. Tout ce que Malérel Solino, Vivi Michel Abvive là, son bagage planifié, c'est ça qu'on devait faire. Solino a boulé, Vivi Michel a crasé, il a tiré sur l'avion, il arrive devant OUA, il dit, on change bagage là en maintien de la paix. L'autre te voulait faire Gary Koni monter, il fait le même genre. Non seulement il a tiré mandat de Soli, il a organisé l'insécurité, il a bon Gary Koni. Chaque fois, il a besoin de faire bagage, il a monté volume insécurité là. Sénateur Guy Philippe. Et bon, tout bas, ça s'est passé. Mais gen moun kap di capable di comme ça bon ou quoi sénateur a de révolution nan ki point ça est-ce que n'a quitté que est-ce que n'a quitté que gen gouvernement kap plein de monter descendre vinn ba jam wè ki action ki posé bon côté équipe révolution ki côté ni exactement ki ça nous étend toujours gen moun ki vraiment quand il impatient ki ça Guy Philippe gen pour dire matin dans sens ça dès le départ que ce soit l'MDE Wanamet ou bien Gonaïf ou bien l'MDE Asdeno ou bien Tigouave moi toujours dit révolution à printemps, cap printemps, parce que nous, on est en face, nous, on force qui va jouer. Et qui n'en tête, lui, pays plus puissant dans le monde, on est ambassade qui représente pays plus puissant dans le monde. Gang qui a crasé Haïti, c'est ambassade américaine qui contrôle elle. Et tout ça, on subi là, c'est pour ça qu'on est en bas sous sol, nous. C'est même raison qu'il a détruit, il a déstabilisé la République du Congo, c'est même genre démocratique du Congo, c'est même bagaille ça que nous même en Haïti, n'a vivons aujourd'hui. C'est pour sous-sol nous, c'est pour ça nous, c'est pour continuer de chapiller, c'est ça la pays là. Dès le départ, on te dit, c'est un gros bagaille, il y a un gros intérêt. Il y a un gros intérêt. Mais si nous, même peuple, nous avons responsabilité, n'a pas fait, n'a pas déchouqué. Et ça que je dis encore, moi je dis, peuple haïtien, même l'insensé bagaille là, red, même si l'insensé n'a fait noir, nous pas jamais plus prêts pour faire révolution dans nos réalités. Nous cap faire et ça capable prendre un mois. Et si nous quittons un mois passé, nous pas faire correction dans ça cap peuple là, nous même comme peuple. Moi bonne garantie, n'a pas fait 20 ans de bataille encore. Parce que équipe ça prend pour voir ça. La valance juste 100 fois ni loi ça. Équipe de Boudou ça, équipe préval ça. Monsieur ça qu'on a vendre $700 millions Blackout par mois. Monsieur ça qu'a pillé, qu'a volé pays d'Haïti depuis tout temps ça, yo pas bonne pour voir ça encore et a joindre collaboration et appui, gros puissance qui pour aider au Kembe système, aider au Kembe statu quo. Moi, je dis à la, plus que jamais, faut que nous mettions sous pied, bien que sous pied déjà, faut que nous aider, renforcer, cellule sécurité, révolution. Faut oublier ça. Si nous marchons comme ça, on dit faut qu'ils allaient, ils ne peuvent pas aller. Et si aller, ils après changer, ils après prendre pouvoir encore. Nous, comme police nationale, comme institution, qui pas prendre responsabilité vis-à-vis à peuple. Ou bon l'armée d'Haïti, m'a comme ça ça comment relé, qui pas prendre responsabilité vis-à-vis à peuple. Nous tout tourné. Nous nous te penser que gagne moyen pour aider la sécurité, aider bail peuple la sécurité, yo tout est sous bluff, pas jamais rien vrai. Je dis à là, c'est pour nous remettre, c'est pour nous mettre système ça. C'est pour nous mettre cellule sécurité ça, renforcer, aider nous dans la révolution, renforcer pour mener peuple à côté pour mener. Une bonne garantie dans 15 jours, 22 jours m'a plié tout Haïti. Sénateur, pour mon capitaine Doula, mon yon tapi bien comprendre, qui sont vle expliquer, qui sont parlé, même leur parler de cellule sécurité, qui ça va là? Bon, là pour un peuple par exemple au Kay, tap manifesté, la police parait qui tue 7 et puis tue yon qui tombe sous 20 maman. Là pour un Jérémy, on tue 6, on tue l'autre aux offres 7. Wanamen, Tigouave, chaque fois manifesté pacifiquement, paisiblement, yon assassiné. Mais nous-mêmes, comme leader, c'est responsabilité pour assurer que nous avons protégé le peuple, la jeunesse, le monde, et nous-mêmes, comme leader, les nous prenons la rue. Si nous voulons, baille tête, mais si nous voulons changer Haïti, on prend responsabilité. Aidez-nous, renforcer, mettez sous pied, appuyez, cellule sécurité, ça, et nous allons garantir dans 15-22 jours pour libérer Haïti. Donc, ou clé avec cellule de sécurité, ça, bon, ou confirmé qui déjà sous pied ou besoin tout simplement de bois, de soutien, support pour renforcer avec cellule ça, dans 15-22 jours, on fait ça pour faire. C'est ce qu'on annonce là? Moi, je dis que le pays, c'est pas moi qui a fait, c'est le peuple là. Ensemble avec nous, tout qui est en Haïti qui a fait. C'est le peuple là pour changer de destin. C'est le peuple haïtien pour prendre responsabilité. N'est-ce pas crasé? Nous, bah, ouais, moi, j'ai dit tout le monde, pas fait ça. Parle de vieux CPT, bah, ça, ou, c'est crasé, le pays. Y'a tout allé. Mais aujourd'hui, on a des collectifs, 3 janvier, à plein. On a des, bon secteur dans Montana, à plein. On a des aidés, à plein.
ou attendez nèg dans accord 21 décembre à plein parce que haïtien pas contre fait bac devant pouvoir haïtien refuser comprendre que ce pays a pour nous défendre ce pays a pour nous bataille je dis à moi dire encore faut cellule sécurité a vienne tout dans réalité faut renforcer et policiers sérieux militaires sérieux pays a besoin vienne joindre nous en bataille pour Haïti parce que là nous devons trou là nous devons bouche et nous tout à victime. Nous tout à victime. Là nous avons besoin de pouvoir. Il y a le Solino, ça va garder qui est surtout, non? Là où on arrive à Michel, il y a Boulekaï, qui te mêle. Là où l'autre bagaille a fait, qui te mêle mounio. Le système décide de faire des ordres. Pour lequel de privilèges, il a fait des ordres. Donc nous-mêmes qui remet Haïti, policiers, militaires, nous tous, on met tête nous ensemble, on renforce les services de sécurité, on renforce le groupe de défense patriotique pour le pays. Pour nous dire que ça a bloqué ça suspend. Alors, c'est du dit là, sénateur Moun Kaptedo, Game Nanchel, je phase, là, ce n'est plus la question de révolution pacifique. Là, pour même dans la phase, à l'arrivée là, vous obligez pas son l'autre levier, c'est ça? Nous-mêmes, nous pas là pour nous attaquer Moun, ni pour nous bouler Kaimoun, ni pour nous craser le business Moun, ni pour nous craser Kaimoun. Nous dit que si le peuple là dans la rue, il faut que nous ayons capacité pour nous protéger le peuple là. Si le pays, en attendant, je dis à là, à qui figure pour qu'on a Yotazim, il y a été un leader politique, il dit complot contre la sûreté de l'État. Qui est-ce qui représente l'État? Qui est-ce qui l'État? Qui est-ce qui parle au pouvoir? Ce qui base légal, il y a un pouvoir. Dans la constitution d'Haïti, côté dit, c'est comme ça pour remplacer un premier ministre ou un président. Donc tout le monde illégal dans le pays. Donc Haïti, son équipe usurpateur, vole le pouvoir, qui vient de l'ambassade américaine, cap dirigé, cap signé sous le pays. C'est devoir nous. Comme citoyens, c'est devoir nous pour nous organiser, nous pour nous faire résistance et pour nous libérer le pays. Moi, dit peuple, moi, prêt, en pile net prêt, en pile femme prêt. Mais nous dit, faut que le peuple prenne responsabilité et faut que nous qui cadio, nous qui gagnons ça, qu'on ne m'a pas parlé, puis on renforce la cellule sécurité du peuple là avec ça. Au gain, c'est samedi. Bon, les messages là lancés. Donc là, c'est son lotte vitesse, Vlad, son lotte. Son l'autre étape, la question est... Qu'est-ce qu'elle fait? Nous, mon pays qui est en danger. Nous, mon peuple qui est en danger. Si nous ne pouvons pas manger, l'école ne va pas fonctionner. Tout le monde est campé, pas de gasoline, l'avion pas volé. Nous, mon équipe neuf, dans l'étape dirigeant, nous reconnaissons toi là-dedans, c'est volé. Tout sorti dans le même secteur politique, c'est Famille Lavalas, groupe de Boudon, Mondana, qui sont seuls groupes de oligarques de vol. Famille Lavalas qui sorti comme un pouvoir peuple, vient tourner aujourd'hui là, pouvoir oligarque. Donc, mes amis, c'est ça en face, peuple-là. Est-ce qu'on a croisé bois nous? Est-ce qu'on a tant international là? Est-ce qu'on a tant Trump? Moi, dis-nous, international là, pas pour aucune solution réelle pour nous. C'est nous, haïtiens. Non, mais tout le monde, même international, ça n'a pas les délits. Je dis à nous, ta fanalise là, et matin, hein, c'est tout un gros mobilisation, beaucoup de payo pour changer force ça que nous avons là en mission onusienne. Nous sentons que des gros intérêts dans le bagage ça, et nous concentrer au souli pour venir avec en mission onusienne en Haïti. Une fois encore, qui déjà échoué tout le temps que nous connaissons déjà, qui pas de bail résultat. Donc, qui, en mission comme ça, nous avons parlé dans 20 ans, 30 ans, qui pas pour nous encore, c'est dans la même logique, même bagaille nous pralier, même forme d'élection, même brigandage. Non, ça va priver, c'est ça qui fait que nous avons une délégation et nous avons écrit des pays qui plus ou moins comprennent qui ça Haïti à vivre. T'as coup la Chine, t'as coup la Russie, qui n'a conseil permanent, et donc, il y a un conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Donc là, nous voyons l'ex pour nous expliquer le problème. Nous voyons une délégation pour aller avec eux, demander au premier veto, moi espérer que vous comprenez. Dans qui ça n'est, moi espère que vous comprenez que la situation à vivre là, une situation fabriquée par l'ambassade américaine, et deuxièmement, l'insécurité que nous vivons dans la rue là, il y a un pile pour loin avec mauvaise gouvernance, avec corruption, avec insécurité sociale qui n'a pas eu. Donc là, nous finissons de présenter, quand moi espérer deux pays ça, qui sont pays amis, qui disent aimer Haïti, il y a mis veto à toute bagaille ça. Est-ce que ça arrive dans nouvelle étape que ou même ou franchi là dans préparation organisation qu'on a fait yo de concertation entre l'autre groupe qui censé tout allier frein tout allier Guy Philippe nous mobilise ensemble nous même tout haïtien tout patriote qu'on a frein qu'on pas frein des pour aimer Haïti qu'on bourgeois qu'on gagne l'argent parce qu'on bourgeois n'a gagne l'argent pas nécessairement on est gagne Haïti. Moi, ça fait longtemps que les nègres qui ont investi dans bagaille de production nationale, les nègres qui ont investi dans bagaille de tomates, dans bagaille de pâte tomate, les nègres qui ont investi dans maïs, les nègres qui ont investi dans durée. Longtemps que les bourgeoisies qui ont investi dans café,
et conseil de famille qui fait toute fortune dans le café, dans l'exploitation, et des paysans fait par les marchés. Mais je dis à là, nous n'avons mon équipe nèg, m'a connu, et puis l'autre petit sac t'es bon, l'autre petit j'en pleure. Je dis à m'dit sac bon, yo. Sac en vie investi, yo. Ça, c'est, révolution, c'est pour yo lié. Révolution à bas au côté pour investir dans le pays, ya. Pour faire l'argent, pendant à créer richesse. Pour faire l'argent, en pile l'argent, pendant que le peuple est content, parce que le peuple a vu le travail, le peuple a mangé. Nous disons révolution, c'est pour yo lié tout, yo même qui gagne l'argent. Nous disons révolution, c'est pour police nationale allié, c'est pour l'armée d'Haïti allié. Nous disons révolution, c'est pour tout Haïtien qui veut un changement. Et je dis à révolution, dit nous, nos situations côté là, si nous quittons le système ça, fait un mois encore, nous ne pouvons pas qu'à j'aime vous aller encore pour nous 20 encore, bataille sous bataille qui va le faire.